Je vais présenter le jury. Donc, nous avons Michel Guilherme pour la danse. Bonjour. Odile Rabet. Jérémy Château-Giraud. Christian Lucas. Et Françoise Boivin. Et donc, pour les parties concours, on avait donc Pascal Etès et André Maillet à la Vielle. Voilà. Pour le jury chant, nous avions, donc on a fait un partenariat, on va dire, avec Wipewa, parce que bon, nous, c'est notre partie dansée, mais c'est vrai que chanter, on n'avait pas trop les billes pour monter le concours. Avec Marie-Georges Léonard. Gérard Boin, Marie-Hélène Pénant, Marie-Hélène qui se cache quelque part, elle est là-bas, Marie-Hélène est là-bas, et donc Evelyne Comin qui a présenté le concours. Donc, nous allons Alors pour le concours chant, je vous avoue, c'était très difficile. Tout était de qualité et vraiment ça s'est joué, mais vraiment sur des détails infimes, infimes. Pour la partie mélodie, donc nous avons, je ne sais pas comment dire, nous avons trouvé. Donc, il y en a qui... Dans les détails, mais c'est vraiment un film, on a vraiment des difficultés, je vous assure. Donc nous avons promu Corentin Le Bouger avec sa mélodie et la question. Donc nous avons promu Jean-Yves Polic, je ne sais pas si tu es au dynamique, je l'ai vu jusqu'à la fin. Bravo. Et donc pour la partie à danser, eh bien nous avons beaucoup apprécié le passe-pied de Jean, Mingui et de Claude Rilles. Grande histoire de détails. Donc, je vais inviter. Nous avons nommé à chaque fois une première, une seconde et une troisième place. Et donc, je vais inviter les premiers à monter sur scène. Pour l'ensemble passe-pied et tour sauté. En femme, alors je suis désolé pour les noms de famille que je vais écorcher. Donc en femme, en troisième, la numéro 5, Oban Lacombrade. Seconde,
le numéro 28, Morgane Boitard. Ouais. Et notre première en passe-pied pour Audrey, le numéro 17, Marie-Hélène Conan. Merci aux organisateurs Keller, parce que du coup, c'est une belle rencontre. C'est une belle rencontre pour la ville, c'est une belle rencontre pour Keller, c'est une belle rencontre pour moi. Parce que, en fait, dans la capitale du 20e, on va enfin pouvoir continuer à mettre en œuvre la culture bretonne et toutes ses us et coutumes.
Vous avez déjà des beaux tableaux qui sont là grâce à vos photographes qui est encore en bas, je te vois, donc c'est pas la peine d'appuyer sur ta cachette. Et chez nous, nous avons les guests à Dour. Aujourd'hui, on se voit quelle heure. Et je pense que c'est un partenariat qu'on va perdurer le plus longtemps possible entre nous, puisque au niveau de la ville, on est très contents pour l'Emballe Armoire de vous recevoir ici. Et pour ceux qui ont eu le plaisir d'aller au musée d'art populaire, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui habitaient pas très loin, peut-être Saint-Agon et autres, vous allez peut-être le découvrir. N'hésitez pas à passer les voir, parce qu'ils sont très heureux de vous faire découvrir les us et coutumes de la capitale du Parthiev et de la ville de la commune de l'Emballe Armoire. Donc voilà, je crois qu'on a déjà pris presque la date pour l'année prochaine, si je ne me trompe pas. Donc, bah, après, ils hésitent entre deux week-ends. On va bien réussir à trouver une solution ensemble.